Et ben voilà, nous voici. Donc je viens de trouver une partie de capture de trapeau que je vais commencer dès maintenant. Donc voilà, alors la partie de capture de trapeau, c'est un peu similaire à un match de foot. Donc, c'est-à-dire le trapeau est à chercher au milieu. Le trapeau est à chercher au milieu et il faut le ramener vers le camp adverse, contrairement à ce qu'il faudrait penser, c'est-à-dire le ramener dans notre camp. Et voilà, nous venons. À peine commencé, je viens de perdre 2 à 1, mais c'est pas grave. Nous allons continuer. Donc, dans la partie FPS, alors nous avons 4 modes. Le mode survie qui ressemble un peu au mode deathmatch normal, deathmatch classique. Nous avons aussi le mode team deathmatch, le compas en équipe. Nous avons aussi le mode explosion qui ressemble un peu au mode bombe dans les. Au mode bombe dans Counter-Strike. Et donc. Le capture de trapeau que je suis en train de faire. Et donc voilà. Nous revoilà de partout. Donc excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais comme je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, c'est la concentration en fait. Donc le trapeau est à chercher quelque part. Ah. La partie vient de terminer. Donc, on va en refaire une. Donc, c'est vers ici en fait ce que j'avais dit en mode créatif. Comme quoi, pour noter la map, je ne vais pas la noter. Même si. Et donc, je viens de passer niveau 2! Oui, donc, je ne joue pas trop beaucoup non plus parce que, à cause des horaires et tout ça, j'essaie de concentrer aussi beaucoup de temps sur autre chose. Et donc je vais changer d'équipe. Comment cela, action impossible? Ah oui, avec le statut prêt. Voilà. Maintenant je suis prêt. J'ai dit je suis prêt. S'ils veulent bien commencer la partie, c'est-à-dire si le maître veut bien commencer la partie. Donc voilà, partie en cours. Il faut aussi savoir que si vous voulez gagner, le mieux c'est aussi d'acheter des armes. Malheureusement, pour l'instant, ils sont une durée de vie, une fois les avoir achetés. Peut-être dès la bêta ouverte, aurons-nous vers permanent. Alors, vous pouvez payer avec l'argent virtuel ou bien l'argent réel, sachant que l'argent virtuel, c'est moins cher. C'est plus cher que l'argent réel, mais c'est quand même mieux de prendre l'argent virtuel parce que c'est justement gratuit. Pour l'instant, à un certain temps. Alors, aussi un inconvénient. Alors, les tourelles, je me demande à quoi elles servent, car dans le mode aide, ils ne disent pas quelles touches permettent en fait de. D'utiliser les tourelles. Aussi, un autre inconvénient du jeu, les touches pour se déplacer. On ne peut pas utiliser les flèches. C'est soit les lettres à l'américaine, soit à la française. Et sachant que les deux, je déteste un peu. Je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout à l'aise. J'ai des touches qui sont trop écartées. Je suis obligé de. Je suis obligé d'écarter mes doigts à chaque fois et donc du coup ça fait mal aux doigts.
Franchement, c'est un inconvénient. On peut pas choisir ses touches nous-mêmes. Et je pense que aussi avant la bêta ouverte, il faut changer cela. Donc pour l'instant, on vient de perdre 1 à 0. Et on peut très vite se rattraper. C'est pas. C'est vrai qu'ils me disent comment on atteint cette tourelle! Purée! Il faut que je les empêche d'atteindre notre camp. Aïe! Et au même moment, je me suis fait avoir. Ah, bah le voilà notre camp. Donc, allez, fumigène juste pour le LOLs, même si ça sert à rien. Alors, petit conseil aussi, si vous avez des jeux avec des fumigènes, utilisez les fumigènes pour les snipers, pour les aveugler, c'est très pratique. Parce que les fumigènes, normalement, ça ne sert à rien, à part aveugler, c'est très pratique. Si par exemple vous avez un petit campeur au-dessus de la tour, vous mettez, vous lancez une fumigène. Il est aveuglé et donc vous pourrez facilement le tuer par derrière, tout simplement. Quand même. Oula, j'ai plus que 13 de vie. L'ennemi a récupéré le drapeau, il va vers notre camp. C'est dangereux, c'est dangereux. Il faut que j'atteigne le camp au plus vite. Reste pas planté là, mon pote. Allez, viens avec moi. Voilà. Tout simplement. Donc, on se fait laminer 3 à 0. Et là, je sens qu'il y en a qui vont encore chanter cette musique. Oh. Ouch, 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 ouch. Alors celui-là, je sais pas où est-ce qu'il tire. Ah, il était malin. Il a lancé une grenade que je n'avais pas vue. En tout cas, je vais essayer de tuer l'ennemi qui était immobile avant. Je sais pas pourquoi il était immobile. Mais bon, je me pose pas de questions. Ah oui, ramène-le. Ramène-le. Vite, 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 ramène-le. Aïe. Il m'a eu, il m'a eu. Vas-y, rapporte le drapeau, je te couvre. Bon, alors il reste encore 3 minutes 48 de jeu. Je ne sais pas si nous allons atteindre ce but. Voilà, je me fais encore tuer, c'est classique. Donc, voilà, c'était. Ça s'annonce 3 minutes 24, la défaite. Ah, quoique, ça peut revenir. Ça peut revenir. Donc on est plus qu'à 3-2, il nous reste 3 minutes de match. Et donc en espérant qu'on va pas se faire laminer. Alors j'ai pas trouvé le là où ils ont mis le drapeau. Alors on peut pas s'abaisser dans ce jeu, se couvrir, c'est un peu gênant, mais. Alors aussi, j'ai oublié de vous parler de la visée. Alors pour l'instant, on a la visée classique, c'est-à-dire sans la visée que vous avez dans les FPS récents, mais
Les visées là, c'est-à-dire quand on appuie sur clic 3, on a la visée plus précise. Elle est d'actualité à ce qui paraît. Donc peut-être dès la bêta ouverte, nous aurons le droit à une visée. Et je viens encore de me faire laminer. Bon. Enfin, on vient de se faire laminer, on est en groupe. N'allez pas croire que je suis solitaire. Donc voilà. Et je viens de me faire tuer par un sniper. C'est magnifique. Donc, aïe 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 aïe. Alors, celui-là, il est fort. Il m'a tiré d'en haut sans scoop. C'est pas grave. Donc voilà. Bon, allez, encore 1 minute 15. Et peut-être allons-nous réussir. On perd, on perd. Ah, une grenade! Cette fois-ci, je l'ai vue, la grenade. Cette fois-ci, pas de perte d'inattention. Et voilà, c'était la défaite. 23 secondes de jeu. Donc, on va quitter sur cette future défaite. Mes amis, donc je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à les commander. Et par contre, excusez-moi si je n'ai pas commenté beaucoup cette vidéo, mais c'est le match, je suis concentré dessus. Et donc il n'est pas évident de commenter et jouer en même temps. Donc n'oubliez pas de nous abonner donc à Bande de PGMs. Et je vous dis à très bientôt!